Terrain. Allez, on va faire la présentation des équipes. Je vais d'abord vous présenter les arbitres. Vous allez pouvoir les applaudir. Ce sont deux jeunes du club. Ce sont deux ados qui sont à l'école d'arbitrage, qui sont très motivés par l'arbitrage. Je voudrais vous les applaudir parce qu'ils ont un petit peu quand même. Hein, il y a du monde, c'est différent. Ils ont des règles du jeu plus particulières. Merci d'applaudir. Rose Ravelinkien et Noé Keimol. Voilà. Heureusement, ils vont être accompagnés par un ancien. Je voudrais qu'il vienne nous rejoindre. Lui, c'est un amoureux des tables de marque. Voilà, c'est un amoureux des tables de marque. Il a 75 ans. Il m'a dit 1m75, je crois. Voilà, et il va être à la table de marque. Il a la lourde tâche de mettre les points. Attention, parce que là, il y a un règlement particulier. Et puis maintenant, je vais vous présenter les deux équipes. L'équipe des Bleus, vous le voyez, s'appelle Lookman, l'équipe Lookman. Avec le numéro 6, elle mesure 1m64, 49 ans, joue au basket loisir depuis 6 ans. Elle habite Lagueven, mais elle passe tout son temps à Colomiers. Elle adore le basket, mais elle dit être plus douée sur le banc et dans les tribunes. Un supporter, merci d'applaudir. Céline Néron. 1m88, 21 ans, une bonne vision du jeu. Un dribble tonique, son surnom c'est The Lookman. Sa célébration, c'est les lunettes. Il vient de vous le montrer. Grosse alchimie avec le numéro 8 qu'on va voir dans quelques minutes. Il arrive maintenant, c'est Fabien Ferrus, 1m91, 21 ans, joueur particulièrement athlétique avec un bon bagage technique. On le surnomme le nettoyeur de cercle. Célébration lunettes lui aussi. Et grosse alchimie avec le cercle de point. Nous, restons. Numéro 10. 1m75, il a 13 ans, mesdames, messieurs. Sa vitesse et sa taille sont à son âge de ses points forts. Il joue à U13 régionaux. C'est Simon Charles Nemesio. Avec le numéro 13, 1,94, 45 ans. Ses points forts sont le rebond et la claquette, pas les chaussures, le panier marqué après le rebond. C'est le seul joueur préféré, c'était Charles Barkley de la NBA, la Dream Team de 92, et qui lui a fait découvrir ce sport. Il a entraîné les jeunes de Toulouse, l'Astro Basket 2010-2017. Son frère Bruno, qui est dans l'autre équipe, qui sera son adversaire ce soir, lui a tout appris, mais il me dit, l'élève a dépassé le maître. Ça commence déjà à outicher un petit peu, c'est bien pour le spectacle. Il a regardé tous les matchs de la NBA la nuit des années 90, l'avènement de la Dream Team au JO de 92. On continue avec numéro 14, 1m75, 47 ans, il joue au basket, santé depuis 2 ans et demi. Son style de jeu n'est ni fait ni à faire, Maxime Dugers. Et puis je termine avec le dernier, il mesure 1m70, 41 ans, c'est un très très bon, on va dire, dribbleur, son surnom c'est Mexibog, mesdames et messieurs, Jenny. On enchaîne avec les Blancs. Les Blancs, vous le voyez, s'appellent les Tortues Rapides. 1m42, c'est la plus jeune de cette soirée. Elle a 10 ans, elle est colubérine depuis toujours. Ses points forts sont le tir et le double pas. Sa particularité, c'est elle qui le dit, hein, c'est eux qui ont dit. Sa particularité, c'est de faire des sauts de Bambi et de Cabri à chaque changement de direction. Vous allez le voir sur le terrain tout à l'heure. Elle est réputée pour être très active, elle fait aussi du théâtre, mais pas que sur le terrain. Numéro 4, Mélissa Périès. Applaudissements encore pour la petite. Numéro 5, 64, 22 ans. C'est une véritable meneuse. Merci d'applaudir. Kautar Rioui. Numéro 6, 68, 21 ans. Le spécialiste, la spécialiste des paniers à 3 points, Salma El Moukili. Numéro 7, il m'a dit, moi, je m'appelle Jean-Baptiste, mais tu dis JB. Ok, 1m32, 14 ans, il joue à U15 et il passe un petit message là ce soir, parce que demain, il a un gros match qu'il va affronter dans un match important, l'Ouest Toulousain Basket. N'hésitez pas à aller voir ce match. Il aura le numéro 7, JB. Numéro 9, 1m60, 43 ans. Elle cherche encore son point fort, mais elle se régale en pratiquant au sein du basket santé, c'est Magali Février. 1m85, 47 ans, de nombreuses années de pratique du basket, mais c'était il y a de nombreuses années. Il a eu le plaisir de jouer à tournoi Corpo avec les anciens de l'Ela Pernet, de Pau, Frédéric Foto et Thierry Gadou. Il a partagé une soirée avec Borisio, mais il regrette que Boris ne lui ait pas permis, ne lui ait pas transmis pendant son talent au basket. Il a joué plusieurs fois avec son frère Nicolas, qui est dans l'équipe adverse. Ce soir, ils ont promis une belle bataille tous les deux. Avec le numéro
14, je voudrais que vous saluiez, il mesure 1m95, il a 20 ans, particulièrement athlétique, avec un gros bagage technique, champion d'Occitanie chez les jeunes, son surnom c'est Tanitanite. On accueille le numéro 15, Joveno Finfin, 90, il a 16 ans, son point fort, vous allez le deviner, regardez comme il est balèze à côté de moi, son point fort c'est le physique. Et puis, on a un dernier nouveau, alors lui, je l'ai gardé pour la fin, avec le maillot polar. Il a le numéro 11, c'est le seul qui n'est pas Colmérin, mesdames, messieurs, il est canadien. Si vous avez bien écouté le début, la genèse de cette histoire, Julia nous a raconté que c'était parti du Canada, cette histoire de Montréal. Et donc, dans ses bagages, en plus des formes, eh bien, elle a ramené le garçon, c'est devenu son mari. Il a joué au curling. Au basket, c'était au lycée. Merci de l'applaudir. Simon Saborski. Voilà, merci de vous mettre en place. Le temps de faire deux ou trois petits paniers et on démarre à la rencontre le temps que j'explique la règle de ce premier carton. Ils vont jouer donc un premier carton de 10 minutes. Ils vont jouer au basket normalement. Le terrain va être donc vide au départ. Mais au fur et à mesure qu'ils vont marquer des paniers, notamment sur les trois premiers paniers, à partir du moment où un joueur va tirer et va marquer le panier, par exemple, il tire d'ici, on va se mettre plus près, il tire d'ici parce que moi je n'ai que de près, il tire d'ici, il met le panier, on met un obstacle ici. Mais l'obstacle, c'est l'adversaire qui va aller le chercher, qui va choisir l'obstacle. Vous allez voir qu'il y a des obstacles qui sont très très bas, que l'on peut enjamber, que l'on peut sauter. Il y en a qui sont très très hauts, qui peuvent servir eh bien, d'adversaire fictif. Il y en a qui sont troués, on peut passer le ballon au milieu si on veut pour tromper l'adversaire. Et donc au fur et à mesure, les obstacles vont être mis sur le terrain pendant ce premier carton. Et ce sont les adversaires qui vont mettre les obstacles quand ce sont les joueurs de l'équipe adverse qui vont marquer. Voilà, j'espère que j'ai été clair, vous avez compris. Mais je vous l'ai dit, à part les trois premiers qui vont être obligatoirement sur la marque où le joueur aura tiré, les autres, eh bien, il faudra qu'ils les mettent ailleurs, en dehors de la zone des 6 points. Et c'est là que je vous dis, vous allez peut-être pouvoir les aider parce que chacun va penser technique. Chacun va penser où est-ce que je vais mettre l'obstacle pour qu'ils gênent les adversaires. Mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'à la mi-temps, ils changent de camp. Et que donc, s'ils ont mis des obstacles pour gêner l'adversaire, c'est ces mêmes obstacles qui vont peut-être les gêner après. On va demander aux arbitres de se préparer. On va donner le coup d'envoi. Je voudrais encore, mesdames, messieurs, une salve d'applaudissements pour l'USC Basket qui se prête à ce jeu. Et puis, un remerciement à tous les organisateurs, bien sûr, la municipalité. Et le pavillon blanc, Henri Bolli. Allez, c'est parti quand vous voulez. Les jeunes, est-ce qu'on est prêts à la table de marque? Très bien. Pour le moment, c'est 0-0. Et ça va partir pour 10 minutes. Allez, c'est parti. On a Fabien. On a Fabien Ferruz d'un côté. Et on a Axel de l'autre. Voilà, les remplaçants, vous le voyez, ils sont sur le côté là-bas, ils sont prêts. Voilà, s'il y a un panier des bleus, c'est le blanc qui va amener le premier obstacle. Panier des bleus, blanc, allez, le premier obstacle, vous le choisissez. C'est parti. Allez, on le met rapidement. JB n'a pas pu marquer. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate the party with you. Come on now. Allez, pour moi 2-0 pour l'équipe Loukman qui est à l'attaque avec peut-être un deuxième panier. Non, c'est passé à côté. Ballon bleu. L'arbitre va souffler. Alors, vous l'avez vu de l'autre côté, il y a très peu de touches, il y a le mur. Si le ballon touche le mur, la balle est à l'adversaire. Et Tanitanic, bravo. Gros panier de Tanitanic de partout. Et les bleus qui mettent l'obstacle là où il a tiré. Ils choisissent l'obstacle. 2-4, pardon, 2-4. Allez, à nouveau, panier pour l'équipe bleue. L'équipe Loukman qui mène désormais 6-2. Thank you.
Là, je vends l'arrivée de René Fin-Fin, qui rentre chez les Blancs. Voilà, le panier des Bleus était de Nicolas qui a mené le score à 8 à 2. Pour le moment, on n'a que 2-3 obstacles sur un. Eh oui, les obstacles, c'est pas facile. Allez, il faut ramener un. Allez, il faut ramener un obstacle chaque fois. On est en retard d'ailleurs. Les Bleus, ils ont marqué 5 fois. Il n'y a que 3 obstacles. Les Blancs, il faut mettre les obstacles. Il manque 2 obstacles. Il manque 2 obstacles sur le terrain, puis ils sont. Allez, un obstacle supplémentaire. Allez, les Blancs. Allez, on s'organise les Blancs. Et un autre panier pour les Bleus. Allez, un autre obstacle. Ouais, notre Canadien a failli marquer. Et il reste 6 minutes dans ce premier carton. 6:37. Grâce à son physique, il a récupéré le ballon. Je sens qu'il va nous faire quelque chose. Prolifique que vendredi. Et vendredi, ça marquait de partout. Là, c'est le stress. Hein. C'est le stress. Mais ça va venir. Ah, il a bien encore. Allez, 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 les Blancs, il faut amener un obstacle encore dans. Et là, maintenant, on les met en dehors de la zone des 3 points. Voilà, super. Ah, bien joué! Voilà, là c'est le. Hugo Restou et Fabien Ferrus qui marquent. Est-ce qu'on a mis un obstacle, les Blancs? Il manque un obstacle, les Blancs. Voilà, allez, ça commence les obstacles chez les Bleus également.
Allez, on rajoute un obstacle. Hein. On rajoute un obstacle. Prenez celui que vous voulez. Super, obstacle les bleus. Voilà, c'est le troisième. Après, vous pourrez sortir de la zone de tir et le mettre ailleurs si vous le souhaitez. Il reste encore, il y a 20 obstacles en tout. Il en reste encore dans la menace. Allez, un obstacle supplémentaire, les blancs. Les blancs, un obstacle supplémentaire. C'est bien tiré. Vous pouvez sortir de la zone, voilà, restez en dehors de la zone, super. Voilà, vous avez vu que ça se fournit hein, du côté hein, de l'attaque des bleus, ça va peut-être être un petit peu plus difficile pour eux maintenant de s'approcher, voilà, ça va être récupéré par les blancs. Allez, faut en profiter les blancs, faut en profiter. Allez, on les encourage, on les applaudit les blancs, ils sont un petit peu à la traîne, il faut qu'ils marquent. Allez, il faut les faire marquer, aïe, 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 dommage. Attention, pour être en défense, là aussi pour le repli en défense, les codes sont différents parce qu'il faut aussi avoir la perception. La perception, il nous fait le spectacle. Hein, il nous fait le spectacle. Bravo, Hugo et Fabien. Allez, il faut remettre un autre obstacle. Tu peux rester en dehors. Hein, tu le mets où tu veux. Tu le mets où tu veux maintenant. Oui. Allez, les bleus, il faut positionner un obstacle chez les blancs. En dehors, en dehors. Voilà, super. Vous en avez encore sur le côté là-bas, hein, des grands. Là où il y a Julia à côté de la caméra. Allez, il reste 2 minutes. 2 minutes 20. Oui. Panier ou pas panier? Non. Pas de panier. Ouh. Oh. Ça va, Chamika, toi? Non, non, triche pas, triche pas. Vous avez vu que là, maintenant, c'est moins facile quand même pour les bleus. C'est moins facile pour les bleus. Allez, c'est reparti les blancs. Allez, on va essayer de remonter avant la mi-temps là. 1,48 pour marquer 2 points supplémentaires. On recolle un petit peu au score. Oh, voilà, et ça, c'est la problématique du plafond qui n'a pas été conçu par l'architecte assez haut pour le match de basket. Ça, on le regrette quand même. C'était pas un basketteur, l'architecte, il devait avoir ma taille. Allez, on récupère les blancs. Allez, super. Allez, on les encourage. 17 encore. Allez, on assure les passes, bravo. Oui. Allez, un obstacle, les bleus. Vous pouvez le mettre là où vous voulez. Là où vous voulez. Allez, un obstacle pour les blancs. Les blancs, il faut mettre un obstacle là-bas. Les blancs. Allez avec JB. Oui, super. Alors, quand on fait tomber un obstacle, c'est 24 secondes de dos. Voilà. 24 secondes, on l'applaudit le pauvre, il baisse la tête. Hein. C'est pas grave. Il en reste 28, donc tu as pris la mi-temps juste pour avoir les autres, c'est pas grave. Allez, les blancs récupèrent. Ouais, vous avez vu, il est passé. Oh. Allez, vas-y, ma chérie. Allez, on l'applaudit, elle va marquer. Oh, bon, il va le mettre. Oui, un obstacle ici. Un obstacle. Les bleus, un obstacle. Si, il y en a deux là, sur la table. Voilà, super. Il reste encore de sortir les. Voilà, c'est la fin du premier quart-temps. Vous pouvez les applaudir, mesdames, messieurs. Allez, c'est parti pour le deuxième quart-temps. 10 minutes.
Ça va être les bleus ou les blancs qui vont mettre en fonction du panier. Attention, pas de bagarre sur le terrain, merci. Allez, est-ce que ce sont les bleus ou les blancs qui vont marquer, qui vont ouvrir au score de, du deuxième carton? Allez, ma puce, vas-y, vas-y. Ah, dommage, hein. Mélissa, Mélissa, il faut, faut l'encourager. Oui! Allez, il faut mettre un. Il faut mettre l'obstacle là où tu veux, c'est où tu veux. Et maintenant, à chaque point marqué, vous pouvez déplacer l'obstacle. C'est-à-dire le sortir de votre camp, le mettre à l'autre. C'est tout ce que vous voulez. Eh oui, c'est toi qui as marqué, donc c'est le bleu qui déplace l'obstacle. Voilà, vous avez vu, il a choisi de le mettre pour protéger sa défense. N'oubliez pas que vous pouvez vous servir des obstacles, et vous l'avez fait déjà. Ouais, ça devient compliqué, ça devient compliqué. Vous pouvez vous servir des obstacles, je rappelle. Voilà, vous avez vu, c'est plus difficile maintenant. Oh là là. Ouais, pour applaudir, belle attaque, belle attaque. Belle attaque avec Jérôme Finfine. Et l'essai c'est JB. Et le panier c'est JB. Ah là, ah oui. Ah mais il faut 10% santé, mais il fait 10% santé, mais il rigole pas quand il tire. Hein. Quand il tire, c'est Maxime. Maxime Dugers. Non, non, c'est les blancs qui déplacent l'obstacle. C'est les blancs qui déplacent l'obstacle. Allez, JB. Oui, les bleus déplacent l'obstacle. Les bleus déplacent l'obstacle. Les bleus déplacent l'obstacle. Wow, bien joué. Allez, les blancs. Oh non, non, mais c'était l'obstacle qui voulait déplacer. Les blancs déplacent l'obstacle. 24 secondes pour le bleu. Les blancs, vous avez un obstacle à déplacer. Allez. Oui. Oh, dommage. C'est encore le, c'est encore le. Vas-y, vas-y, continue à jouer, continue à jouer. Le plafond n'est pas tombé, donc ça va. Eh oui, c'est pas facile parce qu'on peut pas aller sous les paniers. Oh, dommage. Allez, pouvez revenir. Oui, super, super. Deux points de plus, ça revient. Les tortues rapides, 22-26. Vous avez vu que les bleus sont beaucoup plus gênés avec les obstacles. Mais regardez ce qu'il fait. Il a dit, je vais enlever des obstacles, moi. Je vais gêner les autres. Et voilà. Donc là, on n'a pas marqué chez les bleus non plus. 26-22 pour les bleus. Et balle au blanc. Donc là, toute la réflexion, elle est où je vais chercher l'obstacle à déplacer, qu'est-ce que j'en fais en fonction de est-ce que je mène au score, est-ce que je ne mène pas au score. Allez, là, ils vont marquer. Allez, on déplace un obstacle, les blancs. Les blancs, on déplace un obstacle. Voilà, les blancs qui veulent s'évertuent, voilà. Il est en train de le faire et de mettre un obstacle supplémentaire. C'est Axel qui a mis un obstacle supplémentaire pour éviter que le score s'aggrave. 28-22, mais vous avez vu qu'il y avait les obstacles, le score est revenu. Ah, dommage. Allez, tu peux. Tu peux encore, tu peux. Oui, oui. Allez, ils vont revenir. 24. Les blancs, les bleus, on déplace l'obstacle. Les bleus, on déplace un obstacle. Les bleus, on déplace un obstacle. Les blancs, on déplace un obstacle. Les bleus, un obstacle. Les blancs, un obstacle. C'est pas grave. Il y en a eu deux. Il y en a eu deux. C'était pour tout à l'heure. Ah, là, il y a. Non, non, il n'y a pas de. Il y a 24 secondes pour le caméraman qui a fait du vent.
Allez, il reste 5 minutes. Allez, ça continue. 30 à 24. Oh, c'était bien incrusté. Ah, joli. Aïe, 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 oui, 24 secondes. Il a marqué, il était content, 24 secondes. C'est ça qui est bien, Hugo. Hugo, il a marqué un super panier. Ouais, fais les lunettes, Hugo, quand tu marques, ça me fait plaisir. Oui, ma puce. Oh, dommage. Allez, Simon, le Canadien a marqué. Bravo. Bravo, les Bleus, on déplace. Les Bleus, on déplace l'obstacle. Les Bleus, on déplace l'obstacle. N'oubliez pas que tout à l'heure, ça va être votre camp. Il a l'air de tout fermer. Allez, les Blancs, on déplace l'obstacle. Qui déplace l'obstacle, les Blancs? Les Blancs? Allez, encore. Encore. Mets l'obstacle pour gêner. Oui, mets l'obstacle. Voilà, regardez. Il est allé le gêner complètement. Super. 4 minutes 43. Hop, hop. Voilà, très bien. Allez. Elle est au bleu là-bas? D'accord. Ok, bravo. Le sport santé, ça marque les points. Les Blancs, on déplace l'obstacle. Allez, on continue. Allez, notre Canadien, il va encore marquer, non? Dommage. Dommage, Simon. Attention, là, il faut bloquer. Avec les obstacles, on se positionne. Les joueurs se positionnent en fonction des obstacles. Vous pouvez vous positionner en défense. Voilà, c'est une anguille, hein? C'est une anguille. Hein? Génie de marquer. 38-26, allez. Il reste 3 minutes, 4 minutes. Allez, bah, bravo. Ah oui, il est tout seul. Eh oui, il était tout seul, il faut aller l'aider. Ah, ballon blanc, le ballon a touché le but. Hop là. Oui, bien joué Simon. Les Bleus, on déplace l'obstacle. Les Bleus, on déplace l'obstacle. 38-28. Non, non, les Bleus. Les Bleus, pas les Blancs. C'est allez, les Blancs, on récupère le ballon. Il reste 3 minutes pour remonter. 3 minutes pour passer sous la barre des points. Aïe, 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 aïe. Allez, Jenny, il rigole pas. Hein. Allez, on défend les Blancs, on défend. Ah, joli, joli, bien joué. Allez, on est les Blancs, on déplace un panier. Les Bleus, on déplace l'obstacle. Hop! Il y a l'obstacle qui est tombé là, monsieur l'arbitre, c'est qui? C'était avec le vent. Allez, on laisse comme ça. 2 minutes 22. Loopman 40, les tortues rapides 30. Dommage, hein? Allez, attention. Là, il faut bien défendre les Blancs. Répartissez-vous sur le terrain. Aïe, aïe, aïe. Ah, ballon blanc, elle a touché le mur. Allez, JB. Bravo. Super, JB. Les Bleus, on déplace un obstacle. 40-32. Allez, 1-40. Allez, les Blancs, on déplace un obstacle. Les Blancs, les remplaçants, il faut aller déplacer un obstacle. Allez. Oui, les Bleus, on déplace un obstacle.
Tani qui a marqué. Là, c'est la forêt. Là, c'est la forêt. Là, le camp des Blancs, c'est la forêt. Bien défendu, dommage. Tani a marqué. Non, c'est Hugo Rascou, pardon, The Good Man qui a marqué. Allez, balle au blanc, 48 secondes. Allez, on l'empêche de marquer. Allez, c'est parti. Parti avec Axel, Tani. Ouais, regardez, ça sert pour dribbler, bravo. Bravo, super, dommage. Ouais, on va le compter, les bleus, il faut enlever un obstacle, les remplaçants bleus, s'il vous plaît, il faut déplacer un obstacle. Les remplaçants bleus, il faut déplacer un obstacle. Allez, 10 secondes, on ne prend pas de panier pendant 10 secondes. On ne prend pas de panier, JB, défense. Allez, terminé. Allez, super, merci de les applaudir, mesdames, messieurs. 44 à 36, c'est encore serré. Allez, 4 minutes de demi-temps. Et on enchaîne avec le troisième carton. Allez, on va reprendre en une minute pour, avant la reprise. La règle pour le troisième carton, quand il y a une équipe qui marque un panier, c'est l'adversaire qui prend une structure et qui la sort du terrain. D'accord ? L'adversaire prend la structure et la sort du terrain. Et en fonction de comment il attaque, comment il défend, eh bien, il choisit la structure qu'il veut. Monsieur et madame l'arbitre, c'est quand vous voulez. Moi, je vois 4 blancs et je vois 3 bleus pour le moment. Le quatrième bleu, c'est qui ? Allez, quatrième bleu, c'est parti. Attention. Quand tu veux. Allez, je rappelle, lorsqu'il y a un panier de marqué, c'est les blancs, les remplaçants blancs, il faut enlever un obstacle. Everybody get up, it's time to slam now. We got a real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Allez, on va défendre les blancs. Il est parti, ouais. Il est attendable. C'est bon, cool. C'est pas grave. Bien joué, les bleus, on en a 20. Les bleus, les remplaçants bleus, on enlève un obstacle. Choisissez celui que vous voulez. Allez, il faut enlever un obstacle. Les blancs, vous enlevez un obstacle aussi. Ouais, les blancs. Allez, faut marquer. Allez, balle au blanc, c'est le type de Mélissa. Oui, oh dommage.
Voilà, panier accordé, considérez que vous avez empêché de marquer. Allez, il faut enlever les blancs, il faut enlever l'obstacle. Les bleus, pardon. Voilà, les bleus, vous avez vu que le terrain se déplume un petit peu. Allez, Simon a pris la relève. Et là, il va. Allez, il va laisser. Allez, les blancs, on enlève l'obstacle et les remplaçants blancs. On enlève l'obstacle. Les remplaçants blancs, on enlève l'obstacle. Allez, Mélissa. Oui, Mélissa, super. On applaudit à Mélissa. Les bleus, on enlève l'obstacle. Les bleus, on enlève l'obstacle. Super. Très bien. Les blancs, on enlève l'obstacle. Les remplaçants blancs, on enlève l'obstacle. Ça y est, JB l'a fait. C'est bien. Les bleus, on enlève l'obstacle. Les bleus, les remplaçants bleus, il faut enlever l'obstacle. Allez, 6-30. 6-30 dans ce troisième carton. Les tortues rapides sont menées 44 à 58. Bien défendu. Bien attaqué. Regardez la meneuse, elle a dit, c'était la meneuse. Allez, Simon. Bien ressorti. Serial JB s'est relevé. C'est un solide. Joli. Encore. Balle au blanc. Super. Les bleus, on enlève l'obstacle. Les remplaçants bleus, on enlève l'obstacle. Super. Non, il enlève l'obstacle et il a gêné personne. Allez, les blancs, on enlève un obstacle. Il en reste encore quelques-uns sur le terrain. Les blancs, les remplaçants blancs, il faut enlever un obstacle. Les remplaçants blancs, il faut enlever les obstacles là. Il y a deux obstacles à enlever, deux. Pump it up, yo, pump it up, 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 pump it up, y
Allez, les bleus. Les bleus, il faut le... les blancs, il faut enlever encore un obstacle. Allez, il reste 3 minutes. Ah, ça, le physique a fait la différence, hein. Oui, joli. Allez, les bleus, vous pouvez enlever un obstacle. Les remplaçants bleus, on enlève un obstacle. Il y en a deux encore. Il y en a deux. Mais ils n'ont pas le droit, mais c'est pareil. C'est sur le terrain. On a un obstacle sur le terrain. Il reste 2,30 ans. Oula! C'est pour la photo, c'était pour la photo. Balle au bleu. Allez, encore. Oui, bien joué. Allez, le dernier obstacle, on peut la lever. Le bleu, on peut lever le dernier obstacle. Panier pour les bleus. Panier pour les bleus, on va mettre un joueur de plus au blanc. Un joueur de plus au blanc. Les remplaçants, un joueur de plus au blanc. Allez-y, allez-y. Un joueur de plus au blanc pour les 2 minutes. Un joueur de plus encore, un joueur de plus au blanc. On fait la dernière minute comme ça. Les blancs, un joueur en plus. Non. Allez, rentrez. Un joueur de plus bleu, un joueur de plus bleu. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est plus dense là. Ballon blanc, ballon bleu. Bleu. Aïe, aïe, aïe. Le chrono est en panne, il reste 30 secondes. Le chrono est arrêté, il reste 30 secondes, 25 secondes. 20 secondes. Allez, le public avec moi. 5, 4, 3, 2, 1. Fin du troisième carton. Allez, restez là. On se retrouve pour les 10 dernières minutes. Allez, on remet un obstacle à chaque fois. Les remplaçants, soyez attentifs. Il faut que les obstacles arrivent très rapidement. Allez, ça continue. Attention, je vous rappelle, on met un obstacle lorsqu'on marque. Allez, les blancs, un obstacle, un blanc, un obstacle, là où vous voulez. Voilà, faites la barrière.
Super. Vous le mettez là où vous voulez. Faites attention de ne pas re-rentrer l'obstacle qui a un petit souci. Hein. Ah, il a mis un obstacle. Les blancs, un obstacle de plus. Les blancs, un obstacle de plus. Tous les poteaux, peut-être. Ah, il reste 9 minutes, un peu moins. Oh, dommage, JB. Attention, ça contre-attaque chez les Bleus. Allez, un obstacle de plus. Un obstacle de plus, les Blancs. Les Blancs, un obstacle de plus. Bien défendu. Allez, Mélissa, c'est reparti avec Mélissa. Là, c'était Salma qui était à la manœuvre. Dommage. Super, les Bleus, un obstacle pour les Bleus. Les Bleus, un obstacle. Notre obstacle, les Bleus. Les Bleus, notre obstacle. Maxime, Maxime, notre obstacle. Maxime, Maxime, il faut un obstacle de plus. Ils viennent de marquer les. Les Bleus. Les Blancs, il faut un obstacle. Les Blancs, il faut un obstacle supplémentaire. Les Blancs, un obstacle supplémentaire. Ils viennent de marquer, les Bleus. J'y vais, tu le mets où tu veux. Les Bleus, un obstacle pour les Bleus. Alors, tu le mets où tu veux. Allez, les herbes, maman, je vais allez, ça repart avec les Blancs. Allez les Blancs, il faut mettre un obstacle supplémentaire. Bah, ils continuent à tourner sur l'ordinateur, on va vous le dire. Il reste 6 minutes. 6 minutes. Bien défendu. Bien défendu. Allez, on va revenir au score un petit peu. Les tortues rapides, les Blancs. Ah, dommage. Allez, les Bleus, on met un obstacle, les Bleus. Un obstacle pour les Bleus, s'il vous plaît.
Allez, ça sort, balle au blanc. Il y a 5 minutes, 5 minutes. Allez, c'est pas grave, c'est reparti avec les blancs. Et oui, l'obstacle, mais c'est rien, hein, c'est servi de l'obstacle pour récupérer ce ballon. Ça compte. Hein. Oh là là, chapardeur. Allez, les blancs, un obstacle supplémentaire. Faites la barrière, faites la barrière. Il reste 4 minutes. Bien joué! Et applaudissements, mesdames et messieurs, cette récupération. Allez, les blancs, un obstacle supplémentaire. Faites-moi une petite barrière pour... Voilà, 3,53. Le chrono est reparti sur l'écran, sur le mur. Allez, ma puce, vas-y. Dehors. Une minute dehors. Allez, on ressort. Allez, 3 minutes. 3 minutes. Bien joué. Allez les blancs, un obstacle supplémentaire. Dommage Mélissa, c'était bien joué. C'était bien joué. On peut l'applaudir à Mélissa, mesdames, messieurs. Quand même, elle fait tout le match comme une grande. Super. Allez les blancs. Les blancs, un obstacle supplémentaire. Il reste 2,35, 2,33. Oh, dommage, c'était bien joué. Allez, JB. Oh, dommage. 2 minutes. Vous le voyez, 2,10. Vas-y, vas-y, rentre-lui dedans un petit peu, Mélissa. Ah, balle au blanc. Allez, les bleus, les bleus, les bleus. Les bleus, il faut mettre un obstacle, les bleus. Les bleus. Allez, reste 1,20. Allez, les blancs, on met le dernier obstacle là. Il reste, va rester 2 minutes. Les blancs, vous pouvez mettre un dernier obstacle. Ah, dommage. Allez, la dernière minute. La dernière minute. Les 10 dernières secondes, on va les faire ensemble. Et on va compter ensemble la dernière minute. La dernière minute de ce match inédit. Inédit ici au pavillon blanc Henri Molina. Allez, 40 secondes. 40 secondes. Thank you.
Allez, attention, on va faire ensemble les 10 dernières secondes. Je veux que tout le monde fasse les 10 dernières secondes avec moi. Attention, préparez-vous. Préparez-vous, mesdames, messieurs, tous ensemble. Allez, joueurs, les remplaçants. 10, allez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Merci de les applaudir. Merci d'applaudir l'Union Sportive Colomiers Basket. Merci à la municipalité, merci au pavillon blanc, Henri Bonina, pour l'organisation de cette soirée. Merci pour également ces journées qui mélangent le sport et la culture. Je vous rappelle, merci à Eric Michel également, qui a été un précieux secours. On salue le président, bien évidemment, qui est là, Eric Michel, directeur du sportif de l'USC. Bravo à tous les joueurs. Et merci d'avoir joué le jeu. Merci aux arbitres. Merci à la table de marque. Merci aux techniciens, à la logistique ici du pavillon blanc, Henri Molina. N'hésitez pas à venir participer.